Frères et sœurs, vous êtes les bienvenus à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe de ce matin sera célébrée pour le repos de l'âme de Madame Françoise Desrochers. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Qui a vu Jésus a vu le Père. Ensemble, Jésus et le Père nous invitent à entrer dans leur communion divine. Avec l'aide de l'Esprit, approchons-nous d'eux avec reconnaissance. Seigneur Jésus, avec toi, la vie en abondance nous est offerte. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par toi le monde est sauvé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, en toi nous devenons enfants du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé lui déclarèrent avec assurance : C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. On a vu le salut de notre Dieu.
Seigneur, chantons-vous, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire sur toute l'étendue de la terre. On a vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu l'amour de Dieu parmi nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père. » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes,
puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, tout au long de l'Évangile, l'apôtre Philippe apparaît comme un homme doué d'un certain réalisme, d'un certain sens pratique. Par exemple, à la dernière scène, il dit à Jésus, « Cela nous suffirait bien que tu nous montres le Père. » Et avant la multiplication des pains, il fait la réflexion suivante. Il ne suffirait pas de 200 deniers pour nourrir cette foule. Non, Jésus n'achètera pas pour 200 deniers de pain, ni ne fera apparaître Dieu son Père. Le Seigneur a tout ce qu'il faut, et pour nourrir tous ses auditeurs, et pour leur révéler le Père. Lui seul est la manifestation visible de la puissance et de l'amour de Dieu. En lui, nous avons tout. Regarder vivre Jésus, c'est comprendre Dieu. Croire en Jésus, voilà tout ce qui nous est demandé pour entrer dans son plan de salut. La lumière dans laquelle le Christ se montre maintenant à ceux qui sont réunis autour de lui au Cénacle, c'est la lumière du dévouement et de l'amour. Ce n'est pas le Jésus des miracles, mais celui qui accueille en lui l'amour du Père, cet amour qui va le brûler. Le brûler jusqu'à en mourir. C'est par des œuvres que le Seigneur Jésus montre le Père en se faisant le témoin de son amour pour lui et de tous les êtres humains. De quel amour témoignons-nous? Que ressort-il de nos actions? Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tout comme Philippe, celui ou celle qui croit en toi a reconnu l'image du Père. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle et c'est de lui que nous attendons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ règnent dans cette coupe. Agneau de Dieu qui enlève les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.